Les villageois le connaissent là-bas à Ndongo. Et on les connaît, à l'heure actuelle même on les connaît. Il paraît, André, qu'il est très méchant avec les éléphants, cet animal. Oh. Hein? Il est méchant avec les éléphants? Il est méchant avec les éléphants. Qui voit quand il traverse, quand il atteint, il voit les éléphants traverser l'eau souvent là. Oui, bon, il est là, il vient les attendre là. La nuit, on ne le parle au jour. Bon. Parce que lui, il est là, il dort aussi. Il dort là sur la pointe des éléphants. Il tire les éléphants là. Il tire les éléphants là dans l'eau. Bon, s'il voit que. Bon, si le corps ça commence à pourrir, bon, il arrache les pointes là, il part classer là-bas. Sur son trou, il dort sur ça. Bon, si ça a duré, bon, il enlève, il jette en forêt partout, ce qu'ils ont duré. Oui. Ils sont ça au bord de l'eau. Oui, ils jettent ça au bord de l'eau. Il attend aussi. Oui. Ça, lui. Le voilà ici, là. Le premier chien. Est-ce que tu peux me le redessiner ici, c'est possible? Si tu veux bien. Avec un stylo. Il y a comme, okay. Ouais, comme tu as des talents de dessinateur. Ce sera peut-être plus visible. Ouais. Prends dans l'autre sens peut-être. Comme ça, c'est peut-être plus simple. Il y avait des. Il va mourir, non? Yeah, but the quality of the world.
L'animal là, vous avez vu aussi. Voilà donc l'aspect général du Mokelemembe, donc qu'a vu André Ghislain dans les années 80 à Ndongo, dans la zone des chutes Tenki.